Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, pourquoi le général Mamadi Doumbouya n'a pas été à Paris Et pourtant, on a tous vu beaucoup, beaucoup d'informations concernant euh, sa participation aux Jeux olympiques de Paris, qu'il a été invité par euh, le président français Emmanuel Macron. Alors, et les membres du, du gouvernement ont tenté de justifier cette absence. Et selon eh, le général Amara Kamara qui a donné des informations pourquoi le général Mamadi Doumbouya n'a pas participé aux Jeux Olympiques. Alors, la famille, je vous recommande de partager cette vidéo au maximum. Et oui, voilà, la famille, c'est que le général Amara Kamara a dit quand ils étaient devant la presse concernant l'absence du général Mamadi Doumbouya à Paris ce vendredi. Il dit le général Mamadi Doumbouya ne sera présent ce vendredi 26 juillet 2024 à l'ouverture officielle des Jeux olympiques de Paris 2024. Pourtant, le dirigeant guinéen était doublement invité à ce rendez-vous sportif planétaire pour assister au coup d'envoi qui rassemble plus d'une centaine de dirigeants du monde. D'abord par son homologue Emmanuel Macron, ensuite le président des Jeux olympiques. Pourquoi n'a-t-il pas répondu à cette double invitation? Le général Amara Kamara, voici ce qu'il dit. Il n'y a pas très longtemps des informations. Ont fuité en disant que le chef de l'état serait parti aux jeux olympiques de paris ces informations ont été relayées partout quand on est en train de travailler il y en a également qui sont en train de le faire mais dans leur propre intérêt la machine a été aussitôt mise en branle pour que si cette visite devait avoir lieu elle soit entachée de beaucoup de bruit. Malheureusement pour eux, le chef de l'État est tranquillement assis dans son palais en train de travailler. Il n'a été mêlé à cette phase même si partir aux Jeux Olympiques était une opportunité, mais il y a des préparations dans ce sens-là. À noter que le président de la transition sera représenté à la cérémonie officielle par Baouri, son premier ministre. Alors voilà ce que Amara Kamara a dit devant la presse. Et tout le monde sait et pourquoi le général Mamadi Doumbouya n'a pas participé à ces Jeux olympiques à Paris. Vous savez, la famille, actuellement, il y a beaucoup de problèmes dans le pays. Et ce qui est sûr, le pays n'est pas stable actuellement. Oui, le pays n'est pas du tout stable actuellement. Et les personnes averties savaient pertinemment que le président de la transition n'allait pas participer à ces Jeux olympiques. Vu la tension qui règne actuellement dans le pays, un homme averti de son rang n'allait pas du tout laisser le pays comme ça et partir. Parce qu'on ne savait pas s'il partait, ce qui allait se passer derrière lui. Je pense bien, ces conseillers ont dû l'avertir. Parce que, vous savez, l'État, c'est des gens qui sont bien, bien renseignés. Et oui, ça quand même, même si... On dit que ce sont des amateurs qui sont à la tête du pays, mais ce sont des gens qui sont bien renseignés. Et aussi, côté l'étranger. Parce que ça serait une humiliation. Vous savez tous, ces derniers temps, depuis que les Guinéens de l'étranger ont appris que le général Mamadi Doumbouya allait participer à ces Jeux olympiques, FNDC, les forces vives au en fait tous les leaders se sont mobilisés pour se donner la main afin de rendre cette visite dure au général Mamadi Doumbouya. Et cette action aussi fera bien partir d'empêcher le général Mamadi Doumbouya de se rendre à Paris. Parce que se rendait là-bas, tout porte à croire que les Guinéens allaient manifester pour montrer au monde entier ce que son régime est en train de faire. Surtout, ça tombe mal au moment où on parle de la disparition des leaders du FNDC. Et ce témoignage de Mohamed Sissi qui dit clairement qu'ils ont été kidnappés par les hommes en uniforme et qui se sont même rendus jusqu'à la présidence. Même si les autorités de la transition nous disent qu'ils n'ont rien à voir dedans et que c'est une kidnapping. Mais ce qui est clair, le témoignage de Mohamed Sissi n'a pas du tout arrangé les autorités de la transition, parce que ce dernier a très Bien et clairement dit que c'est les hommes en uniforme qui les a kidnappés et les a même envoyés jusqu'à la présidence et il a donné même des noms de certains officiers dans cette affaire et selon les informations du MRC, on les a kidnappés en leur posant certaines questions concernant un fameux coup d'État qui serait en préparation. Vous ne pouvez pas s'en savoir que c'est dans les mêmes circonstances que le feu général Sadiba Koulibaly aussi a trouvé la mort. Lui aussi, on l'a accusé de fomenter un coup d'État contre le général Mamadi Doumbouya. Ce qui est clair, toute l'armée guinéenne n'est pas dans l'esprit du CNRD. Oui, la plupart sont dans l'esprit du CNRD, mais bon nombre ne sont pas dans cet esprit. Surtout, on apprend beaucoup de disparitions d'officiers. Et c'est là... Va frustrer beaucoup de personnes dans l'armée. Et oui, ça va frustrer beaucoup de personnes dans l'armée. Parce que vous savez, ces militaires qui ont été arrêtés, mais surtout la mort du général Sadiba Koulibaly, ce dernier était le chef d'état-major des armées. Jusqu'à tout dernièrement, il était le chef d'état-major des armées la personne qui commandait toute l'armée alors si ce dernier a trouvé la mort dans des circonstances que tout le monde a vues cela va frustrer des personnes au sein de l'armée mais aussi on parle de colonel et colonel Abdoulaye Kita dit commando Faré. La situation de ce dernier aussi n'est pas claire parce que vous savez il est en Chine pour étudier mais d'autres disent qu'il est rentré qu'il a même demandé l'asile en France on ne sait pas ce dernier était à la tête et, et, d'une armée d'élite bata au temps du, du président Alpha Condé. Alors, si le général Mamadi Doumbouya a évité de laisser le pays au moment critique, je pense qu'il a bien analysé les choses et il a compris qu'il risquerait beaucoup si il laissait le pays comme ça voyager. Oui, comme ce que je vous ai dit. Ce sont des personnes qui sont très bien renseignées. Et oui, sont très très bien renseignées. Et ce qui est sûr, il y a des choses qu'on ne dit pas sur la place publique, mais le pays est en crise. Le pays est en crise. Et cela, N'aboutira pas, quand même, à une issue favorable. C'est clair et net. Le 31 décembre s'approche à grands pas. Ça ne reste même pas quatre mois. Et on sait ce qui se prépare aux côtés des forces vives. Tout le monde sait ça. Ils attendent le 31 décembre. 2024, si les autorités n'organisent pas les élections. On sait très, très bien où ça va aboutir les choses. C'était le même cas en 2009 qui risquerait de se reproduire en 2024. Je ne le souhaite pas. Mais si les autorités tentent de faire la tête dure, le peuple de Guinée que je connais là, s'il se réveille, ça ne sera pas du tout bon pour eux. Alors, c'est le bon moment, c'est le bon moment de se préparer et de partir dans les très bonnes conditions. Mmh. Parce que si, on s'est dit qu'on a le soutien Qu'on a le soutien des occidentaux Tout ça Si ça arrive à un certain niveau Ils vont vous lâcher Ils vont vous lâcher, c'est clair et net Alors Pour moi Voici les raisons Qui a fait que Le général Mamadi n'a pas pu voyager à Paris. Partagez la vidéo au maximum. On se reprend pour une nouvelle autre vidéo.